Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance municipale, encore là, versus visioconférence, en direct sur ma TV. Donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. C'est en direct, mais ça sera aussi en redifféré dans les prochains jours. Puis, on peut déjà vous mentionner que quand on arrivera à la période de questions, on souhaite des questions qui sont courtes, de vous nommer, puis aussi de passer par questions-séance à commercial temiscouata-sur-le-lac.ca. Donc, durant la soirée, si vous avez des questionnements, ben, prenez-les en note. Vous nous écrivez sur questions-séance à commercial temiscouata-sur-le-lac.ca, tout en minuscule. Fait que bonne soirée tout le monde. D'entrée de jeu, donc bienvenue. L'ordre du jour, là, étant donné qu'il y a moins de papier qui circule, on est beaucoup en mode virtuel, je vais faire brièvement la lecture de l'ordre du jour. Donc, on aura ouverture de la séance, soit vérification des présences, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, la correspondance, la période d'information. Après ça, on passera au point 2, qui est les dépôts du conseil, c'est-à-dire les comptes du mois. Et pour les actes du conseil, qu'on aura à faire des adoptions d'actes législatifs, on aura un, le ministère des Transports du Québec, soit la permission de voirie pour l'année 2020. On aura aussi l'appropriation d'une partie du surplus accumulé des activités financières de l'année 2019 provenant des revenus éoliens du Bas-Saint-Laurent. On aura le mandat de service professionnel Tetra Tech KI Inc., soit une problématique de gestion des eaux pluviales dans le secteur de la rue commerciale sud. On aura en 4 le mandat de service professionnel Unicause, ça c'est le plan de commandite pour nos projets. En 5, la nomination des personnes responsables pour l'administration et l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 6, autorisation de signature, soit l'entente culturelle. 7, servitude de passage en lien avec Cascade Canada. Ça va nous emmener en 8, une demande de dérogation concernant le 30 et le 30B de la rue Pelletier, soit le restaurant Bermalie. Puis, on aura après ça des règlements, c'est-à-dire avis de motion et adoption concernant le secteur rue Saint-Isidore. On aura aussi un avis de motion concernant le règlement général sur, comme on mentionnait, sur l'application de l'encadrement sur les chiens. Puis, avis de motion aussi sur la tarification en lien avec, justement, l'enregistrement des chiens. Après ça, Danny Morin nous fera une présentation, Marlène Poirier aussi, puis ça nous amènera à la période de questions. Donc, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous les conseillers qui sont en mode à la maison, vidéoconférence. Fait que bonsoir tout le monde. Denis Blais ne pouvait pas être présent ce soir. On a la majorité des administrateurs tout de même, c'est que ça nous permet de débuter. Donc, ouverture de la rencontre et adoption de l'ordre du jour. Chacun des membres ayant reçu l'ordre du jour, il sera proposé secondé par... Annette Rousseau. Secondé par... Rémi Dumont. Et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac accepte l'ordre du jour tel que présenté. Ça nous amène au procès-verbal de la dernière rencontre. Donc, ça se lit comme suit. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020, tenu en visioconférence. Il sera donc proposé par... Ai-je un proposeur pour le procès-verbal? Marie-Frédérique Wallet. Secondé par... Annette Rousseau. Et résolu unanimement, donc, le procès-verbal du 6 avril 2020. Prochain point à l'heure du jour, la correspondance. Je vous dirais que la correspondance, ça c'est simple, en lien avec la COVID-19, la correspondance qu'on souhaite vous apporter, c'est dommage, mais c'est en lien avec la COVID, c'est beaucoup d'annonces d'annulation. Entre autres, la Fondation de la Santé, Roulon et Golfon qui sera annulée, le Grand McDo qui est à ces jours ici à l'habitude annuellement, lui aussi est annulé. On a eu aussi la 20e édition des Mercredis du Parc qui a annoncé qu'elle n'aurait pas lieu cet été. Donc, je vous dirais, là, dans les correspondances principales qu'on souhaite, c'est beaucoup présentement en lien avec la COVID, des annulations d'activités principalement qu'on a été avisé puis qu'on souhaite aviser les gens de prendre connaissance. Ça fait qu'au niveau de la correspondance, Chantal, je ne sais pas si tu avais plus à y mentionner. Non, c'est complet.
OK. Donc, on va passer au point E de notre séance, qui est la période d'information. Je vous dirais d'entrée de jeu, je vais céder la parole à Rémi. Oui, bonsoir tout le monde. Comme vous avez entendu parler en fin de semaine, une résidence de type familial de la rue Tremblay a été la proie des flammes. Alors, j'invite la population, en temps de crise de COVID-19, à faire un don et à vous rendre sur la page Facebook Collecte personnelle d'urgence pour Mireille et Mario. En date d'aujourd'hui, 1 700 $ ont été ramassés sur 5 000. C'est qu'en mon nom, puis en nom du conseil municipal, nous vous souhaitons bon courage. À toi, Gaétan. Bien, merci, Rémi, d'apporter ce point-là. Écoutez, on sait qu'à Témiscouata sur le Lac, les gens sont d'une grande solidarité. Puis, c'est pour ça que feu samedi. Donc, si c'est possible de faire une contribution à la hauteur de vos moyens, merci de le faire pour aider une famille dans le besoin. Qui dit feu, j'aimerais aussi pouvoir souligner un autre événement, c'est-à-dire le 9 mai, c'est en cette semaine, ça sera les 70 ans de l'incendie de Cabanot qui a eu lieu le 9 mai 1950. Puis ça, il faut se le dire, le 6 mai, c'était l'incendie qui a détruit une bonne partie de Rimouski aussi, donc deux feux coup sur coup. Puis là aussi, on sait qu'on a beaucoup de gestes d'entraide de ce temps-ci en lien avec le virus, mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là aussi, la fabrique a été très solidaire de cet incendie-là, parce que pas plus tard que cet après-midi, je parlais avec des gens qui ont quand même côtoyé ces événements-là, principalement les enfants de ces personnes-là, parce que c'était en 1950. Puis la fabrique a quand même été un grand leader de ça, parce que la rue Arthur, Saint-Laurent, tout le rond, chemin faisant, commission scolaire, là, c'était des terrains de la fabrique. Et pour 10, 20, 30 $ par année, on donnait un terrain, on louait, à vrai dire, un terrain pour que les gens puissent se reconstruire, donc ceux qui avaient eu des problématiques à cause du feu. Donc, je tiens à le souligner, 70 ans, il y en a qui en ont entendu parler beaucoup par leurs parents, mais c'est important parce que ça fait un bout de l'histoire de Cabanot, là. Fait que je trouvais important de le mentionner. Et après ça, peut-être vous revenir, si j'enchaîne sur la COVID, on est en attente dans les prochaines semaines de connaître quel sera le plan touristique. Il y a quand même plusieurs personnes qui se posent la question, qu'est-ce qui arrive avec le parc national, qu'est-ce qui arrivera avec les campings, qu'est-ce qui arrivera avec le traversier, les marinas, etc. Donc, dans les prochaines semaines, on va être capable d'en dire plus par rapport à ça, mais pour l'instant, là, on a un peu moins d'informations par rapport à ça, mais on peut quand même mentionner que ce sera débarcadère pour les bateaux parce que la pêche est commencée. Ça, c'est une chose qu'on peut confirmer, puis qu'on souhaite aux gens qu'il y ait une bonne pêche, soyons respectueux des règles de sécurité. Puis là-dessus, Chantal, je vais te laisser compléter par l'info sur la COVID, mais l'info aussi sur les inondations, là. Oui, bien, dans un premier temps, on veut vous dire qu'au niveau de la ville, on opère régulièrement, on est en télétravail, mais toujours rejoignable au même numéro que d'habitude, d'un service aux citoyens 854-2116, que ce soit pour des permis de construction ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est là, c'est juste qu'on n'est pas au bureau physiquement, mais le travail avance. Également, je dois vous dire qu'on fait des vigies, on fait des tournées au niveau des inondations et de nos différents cours d'eau. À date, ça ne semble pas problématique. Quand on voit la pluie arriver, je dirais qu'on va redoubler d'efforts dans les vérifications pour s'assurer que tout est sous contrôle. Vous dire également que si on a des citoyens qui ont des résidences secondaires qui sont présentement à Québec ou ailleurs, il y aura des permissions spéciales de donner aux gens dont les bâtiments pourraient être affectés par les inondations. On n'est pas encore là au moment où on se parle. On espère pas en arriver à ça. Mais on peut dire que présentement, on fait vraiment des tournées à tous les jours pour s'assurer du maintien et de la sécurité de l'ensemble des bâtiments sur le territoire de la ville. Également, vous dire qu'on planche également présentement vers de l'embauche qu'on appelle conditionnelle de nos jeunes pour possiblement des camps de jour pour cet été. Le gouvernement, dans les prémices qui ont été données, c'est qu'il y aurait des camps de jour, mais vous comprenez que s'il y a des camps de jour, il y a énormément de conditions et de protections à mettre en place pour la mise en place de ces camps-là.
Fait qu'on travaille fort présentement à trouver les différentes conditions, puis avoir un peu comme les CPE, de faire en sorte que tout a le rondement et que les gens se sentent en sécurité. Même principe pour les plages. On n'a pas eu encore de confirmation au niveau du gouvernement, mais on fait l'embauche de sauveteurs et on se prépare pour la saison estivale qui sera sûrement différente, mais bien plaisante. Merci, Gaétan. Bon, ben merci Chantal pour l'ensemble de l'information. Puis comme on mentionne, à mesure qu'on aura des informations complémentaires, à mesure qu'elle entre à la goutte quand même, on pourra informer les gens. Mais peut-être petite information en lien avec les inondations, pour le valider, probablement qu'on a 2 à 3 pieds de moins en hauteur d'eau présentement versus l'an prochain. Ça fait que le stress relié aux inondations, je trouve que présentement, même si on annonce cette semaine quand même passablement de pluie, est quand même sous contrôle. Donc, si ça continue dans cette tendance-là, les inondations cette année, ou la crue des eaux, si on devrait appeler ça par le vrai terme, c'est quand même relativement stable, puis ça va assez bien, somme toute, là. Fait que moi, je complète en vous disant que vous allez recevoir dans les prochains jours le Témis Lacroix, écrit par le message de la conseillère Phoebe Sirois ce mois-ci. Puis, en plus, ce que j'attire sur votre attention, c'est que tantôt, quand on va passer les motions, on va parler de la réglementation sur les chiens, c'est-à-dire les gens vont devoir immatriculer puis avoir une médaille pour leur chien. Donc, c'est beaucoup en lien que ce sera, vous avez entendu, à Montréal, peut-être des morsures, etc., de la gestion, être capable de faire l'inventaire sur le territoire. Donc, c'est de là qu'arrive une loi puis un règlement à mettre en place au niveau de la municipalité. Donc, vous aurez quand même un bon texte qui résume c'est quoi le règlement sur les chiens. Et aussi, je continue de dire qu'on sera bien content, entre autres, cet hiver dans les infotempêtes ou toute situation qui serait problématique, de prendre quelques minutes pour aller compléter le portail citoyen. Plus qu'on a d'informations sur les gens, plus qu'on va être capable de les informer en temps réel, peu importe la façon que les gens vont souhaiter être informés. Donc, je fais une publicité, là. Prenez le 2 minutes qu'il faut. Je vous le dis, vous serez content quand il arrivera des choses qu'on a besoin d'aviser rapidement, d'être en lien direct avec l'information, là. Donc, avis d'ébullition, tempête l'hiver, on sait qu'on a contacté des entreprises, des gens qui résident dans certains rangs. Donc, merci de vous enregistrer sur le portail citoyen. Ça fait que ça facilitera de beaucoup la capacité de vous informer correctement. Fait que, étant donné que ça termine notre période d'information, on va passer au rapport au conseil, c'est-à-dire les comptes du mois. Adoption des comptes du mois. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte et paye les comptes du mois d'avril 2020. Ceux-ci représentent un montant de 359 588,35 $ pour les comptes déjà payés et de 259 796,45 $ pour les comptes à payer. Il sera donc proposé par... Rémi Dumont. Appuyé par... Frédéric Wallet. Et résolu unanimement, donc, l'adoption des comptes pour le mois. Au niveau des conseillers, avant la rencontre, vous avez eu l'information concernant les comptes. Vous en êtes satisfait? Je vais voir les signes de tête. C'est bon? Bon. Donc, on va passer au point 3, qui est les actes législatifs du conseil. Le premier projet, c'est avec le ministère des Transports du Québec, permission de voirie pour l'année 2020. Ça se lit comme suit. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports du Québec. Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de la voirie, du MTQ pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. Attendu que la ville est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la ville s'engage à respecter les clauses des permis émis par le MTQ. Attendu que la ville s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Attendu que la ville s'engage également à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis. Il sera donc proposé, secondé, résolu unanimement, que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande au ministère du Transport du Québec de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2020 et qu'elle autorise M. Philippe Sirois, surintendant des travaux publics, à signer les permis requis. Il sera donc proposé par... Aliette Rousseau. Secondé par... Phoebe Sirois. Et résolu unanimement. Donc, c'est un engagement qu'on fait annuellement au niveau de la ville sur tous les travaux qu'on a.
On passe au prochain point. Approbation d'une partie du surplus accumulé issu des activités financières de l'année 2019 provenant des revenus éoliens Bas-Saint-Laurent. Ça se lit comme suit. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a reçu de nouveaux revenus provenant des sites d'exploitation éolien Bas-Saint-Laurent, soit Nicolas Rioux et Roncevaux, pour un montant de 186 694,35 $, attendu que la ville recevra de façon prévisible et récurrente, selon sa population et sa richesse foncière uniformisée, un pourcentage établi de participation à être partagé par les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, attendu que la ville mettra de l'avant divers projets qui auront des impacts structurants en matière de sport, loisirs, récréatifs, accueil récréotouristique et aussi de développement économique. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac affecte l'ensemble de ses 10 revenus aux projets municipaux à être mis de l'avant qui auront des impacts structurants en matière de sport, loisirs récréatifs, d'accueil récréotouristique et aussi de développement économique. Il sera donc proposé par Rémi Dumont. Secondé par Fébé Sirois. Est résolu unanimement, donc l'affectation sport, loisirs, récréatifs, récréotouristiques pour l'éolien dans les éoliens, mais pour Nicolas Rioux et Roncevaux. Quand on avait fait la présentation concernant l'aréna et le centre récréatif, on avait précisé qu'il y avait des sommes qui allaient être utilisées des fonds éoliens. Donc, c'est dans ce temps-là qu'on parle de loisirs, de sport, d'activités récréotouristiques, mais on avait mentionné aussi qu'on a Témis 1, Témis 2, d'autres projets éoliens qu'on peut affecter des sommes ailleurs et ces montants-là représentent environ le tiers des sommes qu'on reçoit annuellement dans le dossier éolien qui est consacré au sport, loisirs et récréotouristique. Donc, c'est ça que ça dit, cette résolution-là. Chantal, si tu souhaites compléter, vas-y. Non, ça va, c'est complet. OK. Donc, on passe au point 3, qui est le mandat de service professionnel Tetra Tech KI Inc., soit une problématique de gestion des eaux pluviales, secteur rue commerciale sud. Ça, c'est dans le, c'est à Notre-Dame-du-Lac, dans le quartier voisin du Marie-Blanc, pour ne pas le nommer. Ça se lit comme suit. Attendu que la problématique de gestion des eaux pluviales observée, notamment lors des pluies importantes et principalement au printemps, dans un secteur de la rue commerciale sud où sont actuellement dirigées les eaux pluviales. Attendu que la ville souhaite rediriger l'eau vers le lac Témiscouata en utilisant le fossé existant afin de contourner une propriété. Attendu qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie afin d'évaluer cette solution et de préparer les plans et devis nécessaires à la réalisation de ce projet. Attendu que la firme Tetra Tech KI Inc. a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 8 avril 2020. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Tetra Tech KI Inc. pour effectuer ce mandat et ce pour un montant de 11 135 $ taxes en sus, conformément à son offre datée du 8 avril 2020. Que M. Gaëtan Ouellet-Maire, en son absence, mairesse suppléante, Mme Chantal Caron, directrice générale, en son absence, la directrice des finances, soit ils sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Que cet effet ratifie le mandat donné en date du 9 avril 2020. En conséquence, sera proposé par Annette Rousseau. Secondé par Marie-Frédérique Ouellet. Donc, il est résolu unanimement de mandater Tetra Tech concernant le pluvial qui avoisine l'auberge Le Marie-Blanc. Je ne sais pas, Chantal? Ben, peut-être juste dire que c'est une problématique existante depuis longtemps et on veut vraiment corriger la situation. Et à ce moment-là, ben, on comprend que ça prend des plans et devis pour être capable d'avoir toutes les autorisations et aller de l'avant. Mais c'est des travaux qui vont se faire à l'interne par la ville puis qui vont régler définitivement cette problématique-là. Donc, merci pour l'information. On passe maintenant à un autre, c'est le point 4. C'est service professionnel Unicos, aréna et centre communautaire récréatif, c'est-à-dire le plan de commandite. Attendu que le projet de construction d'un aréna et d'un centre communautaire récréatif nécessite l'élaboration d'un plan de commandite pour lequel la Ville souhaite obtenir de l'accompagnement.
attendu que la firme Unicos a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 27 mars 2020. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac mandate la firme Unicos pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant de 8 870 $, taxe en sus, conformément à son offre datée du 27 mars 2020. Que M. Gaétan Ouellette-Maire, mairesse suppléante, directrice générale Chantal Caron, directrice des finances, soit ils sont par les présentes à signer tout document donnant plein effet à cette résolution. Que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 16 avril 2020, il sera donc proposé par Rémi Dumont, secondé par Philippe Sirois, et résolu unanimement, Unicos, plan de commandite 8 870 $. Prochain dossier, nomination des personnes responsables pour l'administration et l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Vous allez l'entendre plusieurs fois parce qu'on aura deux avis de motion plus tard par rapport à ça. Donc, ça se lit comme suit. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté le 4 décembre 2019 la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et que son application est en vigueur depuis le 3 mars 2020. Attendu que, selon l'article 4, section 3 de la dite loi, la ville de Témiscouata-sur-Lac doit désigner des fonctionnaires ou employés de la municipalité comme responsables de l'application de ce règlement et de responsables de l'enregistrement des chiens. Attendu que le rôle et le titre des personnes responsables de l'application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens est décrit dans ce même règlement. Attendu qu'en vertu de l'article 16 de la même loi, le propriétaire ou le gardien d'un chien, doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité. Attendu que le règlement provincial oblige tout propriétaire ou gardien d'un chien à l'enregistrer auprès de la ville et que cet enregistrement doit être fait dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Cette obligation s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsque le propriétaire ou le gardien du chien est un éleveur. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement, que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac nomme les personnes suivantes à titre de fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Monsieur Mario Bourassa, inspecteur en bâtiment. Monsieur Gérald Dubé, directeur du service de sécurité incendie. Que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac nomme également les personnes suivantes à titre de responsable de l'enregistrement des chiens, soit Mme Claire Bérubé, technicienne administration urbanisme, M. Mario Bourassa, inspecteur municipal, et Mme Denise Deschamps, inspectrice municipale. Que tout propriétaire ou gardien d'un chien, à la date d'entrée en vigueur du règlement de tarification relative à l'enregistrement des chiens, dispose d'un délai de 3 mois suivant cette date afin de procéder à son enregistrement conformément à l'article 16 de la loi. Donc, en conséquence, sera proposé par Phoebe Sirois, secondé par Marie-Frédérique Ouellette, et résolu unanimement donc la nomination de nos personnes responsables pour l'encadrement en lien avec le projet sur l'encadrement des chiens. Puis comme je mentionnais tantôt, dans le Témiscouata, vous allez avoir l'ensemble de l'information. C'est une obligation gouvernementale de mettre en place une procédure au niveau de la réglementation sur les chiens. Après ça, on passe à 6, autorisation de signature, entente culturelle avec divers organismes. Attendu que la résolution numéro 1906-109 relatif à des ententes a été établie avec divers organismes dans le cadre de l'entente de développement culturel intervenue entre la ville de Témiscouata-sur-le-Lac et le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2019 et 2020. Attendu que d'autres projets s'ajouteront à ceux déjà mentionnés dans cette résolution et qu'il y a lieu de convenir d'éventuelles ententes de développement culturel afin de bonifier l'offre culturelle témilacoise. Attendu que certaines de ces ententes seront renouvelables annuellement,
En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que M. Gaëtan Ouellette-Maire, ou en son absence, le maire suppléant, la directrice générale, Mme Chantal Caron, en son absence, directrice des finances, soit, ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac toutes les ententes à intervenir avec les organismes, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à cette résolution. En conséquence, sera proposé par... Marie-Frédérique Ouellet. Secondé par... Annette Rousseau. Donc, il est résolu unanimement, soit c'est pour donner une délégation pour pouvoir procéder avec les ententes culturelles. Fait que je ne sais pas, Chantal, si tu souhaites en dire un peu plus par rapport à ça. Non, c'est vraiment administratif, c'est dans le but de ne pas avoir à refaire plein d'autres résolutions selon les projets. OK. Puis comme vous avez pu entendre, j'avais un chien ici même à la maison qui a fait son entrée. Ça fait qu'il y avait quelque chose à dire concernant le règlement sur l'encadrement des chiens. Donc, c'est la beauté de travailler à partir de la maison. On passe au prochain point qui est la servitude de passage, canalisation de conduite d'égout pluvial sur le lot 3 512 949, partie, soit une partie de ça, et le 6 347 358, une partie aussi, en lien avec Cascade Canada. Ça se lit comme suit. Attendu la résolution numéro 19-0586 relative à l'échange de terrain entre Cascade Cabano ULC et la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, laquelle établit entre autres une cession d'une partie du lot 6 347 358 par la ville à la compagnie Cascade Canada. Attendu que suite à cette transaction, la compagnie Cascade Canada cède à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac une servitude réelle et perpétuelle de passage de canalisation afin de permettre l'entretien de la conduite d'égout pluviale existante. Attendu que la dite canalisation est localisée sur une partie des lots 3 512 949 et 6 345 358 et se situe entre la rue de Lens et la rue Témiscouata. Attendu que la localisation, excusez, de cette conduite d'égout pluvial est plus amplement décrite dans la description technique effectuée le 19 février 2020 par M. Bernard Labrie, arpenteur Juromaille, sur le numéro 5803 de ces minutes. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme côté Ouellette-Tivierge notaire afin d'établir l'acte de servitude à intervenir dans ce dossier, que les frais de notaire soient à la charge de la ville, que M. Gaëtan Ouellette-Maire, directeur général Chantal Caron, mairesse suppléante, directrice des finances, soit ils sont par les présentes à signer tout document relatif pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Puis, à inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de servitude. Il sera donc proposé par... Rémi Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, est résolu unanimement... servitude dans ce dossier-là. Donc, pour faire une histoire courte, raccord en eau, station de pompage, on a fait un échange de terrain avec Cascade pour pouvoir construire une station de pompage. En échange, il y a eu un terrain qui a été cédé, soit un équivalent en pieds carrés. Puis pour ça, on devait avoir une servitude pour aller à nos installations à nous. Fait que Chantal, je ne sais pas si tu souhaites préciser des choses par rapport à ça. Non, c'est complet. OK. Donc, écoutez, pour ceux qui voyaient notre ordre du jour, on a une première page de fait, ça fait que ça va assez bien, merci. On va passer au point 8, qui est la demande de dérogation mineure de la propriété au 30 et au 30B de la rue Pelletier, soit le lot 2 617 439, soit le restaurant Bermali Inc. Je vais céder la parole à Mme Marie-Frédérique Ouellette qui va en faire la lecture. Oui. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Yves Saint-Amand pour et au nom du restaurant Bermali Inc. relativement à la propriété située au 30 à 30B rue Pelletier à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 18 mars 2020 par M. Yves Saint-Amand pour et au nom du restaurant Bermali Inc. et porte le lot 2617-439 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à rendre réputées conformes les marges avant du bâtiment principal à 2,96 mètres de la rue Pelletier et à 2,84,4,08 et 6,34 mètres de la rue du Vieux Chemin au lieu du 9,08
0 mètre qui, à l'article 8.1 du règlement de zonage 177-89, étant la grille des spécifications de la zone C à 14, soit des dérogations mineures respectives de 6,04 mètres de la rue Pelletier et de 6,16, 4,92 et 2,66 mètres de la rue du Vieux-Chemin. Attendu que le but de cette demande est également de rendre réputée conforme la terrasse située au 1,05, 0,12 et 0,0 mètres de la rue du Vieux-Chemin au lieu du 3 mètres requis à l'article 3.1.5.2 du règlement de zonage numéro 167-89, soit des dérogations mineures respectives de 1,95, 2,88 et 3,0 mètres. Attendu qu'un permis a été accordé en 1984 pour l'agrandissement du bâtiment principal sans aucune mention de marge de recul à respecter. Attendu qu'aucune plainte au dossier ou autre information n'a été portée à notre attention relativement à la position du bâtiment principal. Attendu qu'un permis également a été émis en 2000 pour la construction de la terrasse et ce, sans aucune mention de marge de recul à respecter par rapport à la rue. Attendu que pour l'analyse de la conformité de la terrasse, le premier paragraphe de l'article 3.1.5.2, lequel stipule que seuls les usages suivants sont permis dans les cours avant et latéral à condition de ne jamais empiéter sur la marge de recul inférieure à 3,0 mètres pour les cours avant, doit être pris en compte dans l'analyse de la présente demande, attendu que la terrasse actuelle possède des dimensions supérieures à celles indiquées au plan déposé lors de la demande de permis en 2000. Ce n'est pas bien long, on arrive à la deuxième page. Attendu que la terrasse empiète en partie dans l'emprise de la rue du Vieux-Chemin, attendu que la terrasse serait tout de même dérogatoire au respect des dimensions indiquées au plan de construction, attendu que le propriétaire actuel nous mentionne que la terrasse peut demeurer de cette dimension vu qu'elle est haute et loin de la surface de roulement de la rue du Vieux-Chemin. Attendu qu'après vérification, la ville n'a pas reçu de plainte de la part du citoyen et du service des travaux publics en regard à la proximité de la terrasse du côté de la rue du Vieux-Chemin. Attendu que les travaux de déneigement se font sans inconvénient et une vitesse réduite de la part des travaux publics vu l'approche d'une intersection à 4 arrêts obligatoires. Attendu qu'aucun avis d'infraction n'a été émis à l'époque à l'encontre de l'agrandissement du bâtiment et de la construction de la terrasse. Attendu que cette demande de dérogation mineure a pour but de régulariser une transaction immobilière. Attendu que les frais de cette demande ont été acquittés. Attendu qu'au point de vue du bâtiment principal, le comité consultatif d'urbanisme CCU ne s'objecte pas à accorder la dérogation mineure, étant donné que la situation est connue depuis plus de 35 ans. Attendu que, concernant la terrasse, malgré le fait qu'elle empiète en partie dans l'emprise de la rue du Vieux-Chemin, la majorité des membres du CCU sont d'avis de conserver la terrasse telle qu'elle, sous certaines conditions. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de M. Yves Saint-Amand pour et au nom du restaurant Bermali incorporé pour la portion se rapportant au bâtiment principal, que le point se rapportant à la terrasse soit accordé selon les conditions suivantes. Ne pas tenir la ville responsable des bris qui peuvent être occasionnés à la terrasse lors des travaux réguliers ou d'urgence requis par la ville à l'intérieur des limites de la rue du Vieux-Chemin, de la remise en état de la terrasse et de sa fondation ou structure de soutien lors des travaux requis précédemment mentionnés, que lors d'éventuels travaux majeurs de remplacement de la terrasse, les normes d'urbanisme en vigueur s'appliqueront. Il sera donc proposé par Marc-Frédéric Ouellet et appuyé par Rémi Dumont.
et résolu unanimement. Merci. Donc, merci, Mme Ouellette, pour la lecture. On sait quand c'est des dérogations, c'est beaucoup de mètres, beaucoup de chiffres. Ça fait que merci bien. Puis, pour faire une histoire courte, c'est qu'il y a une transaction présentement entre le Bermali, Source d'espoir, puis sur Vieux Chemin, il y avait entre autres une terrasse qui ne répondait pas aux normes qu'on régularise. Mais c'est bien noté dans les dernières lignes que si jamais il y avait des modifications dans le futur, ils devront respecter les normes en vigueur. Donc, c'est pour ça recommandé par le CCU, puis approuvé ce soir, donc simplement pour pouvoir confirmer une transaction par rapport à ce lieu-là. Chantal, as-tu autre chose par rapport à ça? Ben, peut-être juste dire aux gens qui nous écoutent que souvent une fois, quand on fait des demandes ou qu'on demande à la Ville de faire des vérifications concernant de la construction, c'est bien de le faire avant de construire. Parce que souvent, dans le temps, ce que ça fait, c'est qu'il va y avoir des non-conformités. La journée où vous venez pour vendre, bien, vous êtes dérogatoire, la transaction ne peut pas se faire, le notaire arrête la transaction, il faut aller en dérogation, c'est énormément de temps, puis on voit des fois des ventes qui ne se font pas à cause de ces choses-là. Fait que prenez le temps de vérifier lorsque vous avez des travaux à faire, c'est payant au bout du compte. Merci. OK. Fait que merci, Chantal. Puis on va poursuivre sur la même lancée parce qu'on a le point 4 de l'ordre du jour dans la réglementation. On va venir recadrer certaines choses sur la rue Saint-Isidore dans le quartier Cabaneau. Ça fait que je vais laisser Phébé en faire lecture de l'avis de motion qui sera suivi par l'adoption du premier projet de règlement numéro 259-20. Merci, Phébé. Donc, avis de motion, règlement numéro 259-20, amendement, le règlement de zonage 167-89, norme d'implantation zone résidentielle RB.59. Donc, c'est pour le secteur rue Saint-Isidore. Je, Phébé Sirois, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du conseil, présenterai un règlement portant le numéro 259-20, ayant pour but demander le règlement de zonage numéro 167-89 afin de modifier les normes d'implantation dans la zone résidentielle RB.59 et plus précisément la marge de recul avant pour un bâtiment principal dans le secteur de la rue Saint-Isidore. Adoption du premier projet de règlement numéro 259-20. Amendement le règlement de zonage 167-89, norme d'implantation zone résidentielle RB.59. Il sera proposé et appuyé unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le premier projet de règlement numéro 259-20, ayant pour but d'amender le règlement de zonage numéro 167-89 afin de modifier les normes d'implantation dans la zone résidentielle RB.59 et plus précisément la marge de recul avant pour un bâtiment principal dans le secteur de la rue Saint-Isidore. Je propose donc, Phébé Sirois, et appuyé par? Appuyé par Rémi Dumont. Donc, résolu unanimement. Ça fait que merci bien, Phébé, pour la lecture. Donc, secteur rue Saint-Isidore, là aussi, c'est pour corriger des choses puis s'éviter un certain nombre de dérogations à la pièce dans le futur. Fait que c'est l'esprit de cette adoption-là qu'on fera. Dans un autre ordre d'idée, on avait parlé tantôt que le règlement sur les chiens allait prendre effet. Avis de motion qui sera lu, donc le règlement numéro 260-20, modifiant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité, soit l'encadrement des chiens. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 260-20 par Mme Marie-Frédérique Ouellette. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant numéro 260-20, ayant pour but de modifier un règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Cette modification a pour but d'ajouter de nouvelles dispositions en tenant compte de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, chapitre, page 38.002. OK. Et on passe au dépôt du projet.
dépôt de règlement du projet numéro 260-20, modifiant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité, encadrement des chiens. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, dépose le projet de règlement portant numéro 260-20, ayant pour but de modifier le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Cette modification a pour but d'ajouter de nouvelles dispositions en tenant compte de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Chapitre, page 38.002. Merci. Merci pour la lecture. Puis on va enchaîner aussi avec Marie-Frédérique aussi sur l'avis de motion sur le règlement numéro 271-20, soit la tarification relative à l'enregistrement des chiens, sera suivi aussi du dépôt du projet de règlement numéro 260-20, tarification relative à l'enregistrement des chiens. Madame Ouellette. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil présenterait un règlement portant numéro 261-20 ayant pour but d'établir la tarification exigible dans le cadre de l'enregistrement des chiens sur son territoire. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, dépose le projet de règlement portant numéro 261-20 ayant pour but d'établir la tarification exigible dans le cadre de l'enregistrement des chiens sur son territoire. Merci. Donc, merci bien pour la lecture. Puis, comme je mentionnais tantôt, ceux qui voudront des copies là, du projet de règlement pourront en faire la demande. Peut-être, Chantal, ça sera sur le site de la Ville. Vous référez au Témis Lacroix aussi, qui donne passablement d'informations. Donc, quand ça entrera en vigueur, c'est clair qu'on souhaite que les gens puissent enregistrer leurs chiens. Puis, ça nous permettra là, d'avoir un certain suivi par rapport à ça. Chantal, je te laisse aller si tu veux compléter. Oui, peut-être dire qu'au niveau de la tarification, dans le projet qu'on a présentement, le conseil et la plupart des municipalités de la MRC, la plupart ont établi un 10 $ par année qui inclut la petite médaille également pour le chien et qui, dans le fond, couvre un peu les frais de tous les suivis qu'on aura à faire au sujet de cette nouvelle loi provinciale qui vient, dans le fond, donner un cadre au niveau des chiens et de la protection des personnes à ce sujet-là. Fait que ça va suivre son cours au niveau d'être adopté probablement en juin pour être en vigueur à partir du mois de juin. Bon, ben merci bien pour l'information. Merci à Fébé pour la lecture. Merci à Marie-Frédérique aussi. Puis, je vous dirais, ça termine notre période de réglementation. On est maintenant rendu au point 5 de notre ordre du jour, qui est la période de questions qui va faire. Mais avant, je veux vous préciser qu'à 19h50, on se doit d'avoir quitté les ondes parce que on est en direct sur ma TV. Après ça, ce sera le conseil de Rivière-du-Loup sur ma TV. Ça fait qu'on a eu cette directive-là. On souhaite avoir une période de questions qui est suffisante, comme on avait mentionné, de nous faire parvenir les questions. Ça fait que sans plus tarder, je vais céder la parole à Dany Morin, notre chargé de projet, qui va nous faire un suivi des dossiers. Après ça, ça sera suivi de Marlène Poirier, qui va nous faire le compte-rendu financier, le portrait financier final en lien avec le raccord en eau potable. Puis, ça va nous amener après ça sur la période de questions. Fait que Dany? Bien, bonjour tout le monde. En fin de compte, on va commencer par les projets innovants. Pour Innovasan, comme vous vous rappelez, il y avait des travaux différés. Le bâtiment a été livré en février dernier. Des travaux différés, donc, il va se faire au printemps. Il y avait aussi quelques déficiences que l'entrepreneur devait faire, mais vous comprenez aussi qu'à cause du COVID, c'est un petit retard. Donc, suite au déconfinement du COVID, l'entrepreneur peut aller finir ses déficiences. Pour le tableau final des montants du projet, on a pris l'accord en main. Donc, il nous reste quelques affaires à faire. On espère de faire ça pour la séance de juin. Concernant l'aréna et CCR, présentement, les plans sont à 60 %. On comprend qu'on rentre un peu dans les détails là-dessus. La suite pour ces deux projets, c'est l'élaboration du devis au complet. Les plans et devis également à 90 %, avec l'estimation finale qui va suivre. Et on pense avoir ça tout pour d'ici fin mai, début juin. Mise aux normes de l'eau potable, je vais faire un petit bref historique. On se rappellera que le 25 février dernier, on a raccordé Notre-Dame-du-Lac avec l'usine du quartier Cabaneau. Suite au raccordement, il y a eu une période d'à peu près 3-4 semaines au fait que le réservoir Notre-Dame soit rendu à 100 % avec l'eau
distribués par l'usine de Cavano. On a fait également, dans cette période-là, des ajustements des tests à l'usine. Ça se peut que des gens, quelques gens, en fin de compte, ont pu à Notre-Dame constater une sensation soit d'avoir une odeur de chlore à cet effet, parce qu'on faisait beaucoup de tests lors de la mise en route de l'usine. Aujourd'hui, en fin de compte, on est finalisé presque à 100%. On est après de faire la recette, en fin de compte, la recette gagnante d'avoir une production d'eau avec une excellente qualité. Nous avons également effectué deux tests de THM dans les dernières semaines et nous avons reçu le dernier résultat vendredi dernier. Il faut rappeler que les normes dans l'eau potable, c'est que c'est 80 microgrammes par litre en moyenne par année qu'on doit être à l'intérieur de ça. L'an passé, à pareille date, dans le secteur Notre-Dame, surtout dans le chemin du lac, il faut rappeler que les THM étaient au-delà de 120. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vous dire que les tests sont très concluants et que les citoyens du chemin du lac peuvent maintenant consommer l'eau. Nous sommes également heureux de vous présenter les coûts finaux du projet. Car cet aspect, c'est Marlène qui va faire une démonstration avec sa présentation. À toi, Marlène. Bonjour tout le monde. On va vous présenter à l'écran des coûts finaux du projet. Je vais partager mon écran. J'espère que vous allez bien entendre ce que je présente aussi également, qu'il n'y aura pas trop de coupures étant donné qu'on est à distance. Ça ici. Les coûts qu'on vous présente ce soir sont finaux à un très fort pourcentage là, de fin. Il y a quelques petits montants qu'on a fait des prévisions, mais on est certain là, à 99,9% des coûts qu'on vous présente ce soir. Je vais juste le mettre en plein écran, ça ne sera pas très long, comme ça ici. Dans les coûts du projet qu'on vous présente, vous vous souviendrez qu'on avait adopté le règlement d'emprunt numéro 226-18 pour un montant de projet de 13,9 millions de dollars. Le règlement d'emprunt, quand on adopte un règlement d'emprunt, c'est pour présenter le montant qu'il ne faut pas dépasser, mais ça inclut également des estimés d'imprévus selon les avancements des projets. Quand on avait fait des présentations à la population, on avait présenté des montants à 12,9 millions de projets. C'est ça qu'on s'était fixé comme objectif de coût des travaux, selon les coûts des ingénieurs et tout ça. Ce soir, on est content de vous annoncer que le projet va se terminer plutôt à 12,3 millions de dollars. Ces montants-là excluent la subvention du gouvernement. C'est vraiment tous les coûts qui ont passé en facturation, par exemple, dans les comptes du mois pour la construction et des conduites et des parties de modification des bâtiments. La seconde étape qu'on veut vous présenter, c'est la dette nette. On vous a parlé du montant à 12,3 final, mais de ce montant-là de coûts de construction, il y avait une aide financière de 7,7 millions, ce qui fait que ça va être la différence qui va être facturée sur les comptes de taxes pour payer le remboursement en capital et en intérêt. Du 12,9 selon le règlement d'emprunt, si on avait eu des coûts qui avaient égalé 13,9 millions, on aurait eu une dette de 6,2 millions. C'est en orange, vous allez voir dans les autres acétates aussi, en orange, c'est si on avait eu des coûts de construction qui égalent le règlement d'emprunt, ce qui n'est pas le cas pour le réel. Si on avait eu des coûts de construction de 12,9 millions de dollars, ça leur aurait fait une dette de 5,2 millions de dollars. Le 5,2 millions, c'est dans toutes les présentations qu'on avait faites où on avait fait des simulations de comptes de taxes ou de coûts par année, c'est 5,2 millions qu'on avait fait dans les calculs. Aujourd'hui, on peut vous annoncer que la dette qui va être emprunté total pour le projet, va être plutôt de 4,6 millions de dollars.
Ce 4,6 millions, ça représente, par rapport à nos présentations dans le passé, nos prévisions, ça représente une baisse de 11 % du coût total du projet. Puis par rapport au règlement d'emprunt, c'est une baisse de 26 %. De plus, comme bonne nouvelle aussi, les taux d'intérêt actuellement sont très bas et ils sont plus bas que ce qui avait été utilisé pour faire les prévisions dans les dernières présentations. Dans les présentations précédentes, on avait utilisé un pourcentage de 4 %. Toutefois, dans les derniers taux qu'on a eus, on s'approche plutôt de 2,5 %. Et dans les simulations sur les comptes de taxes qu'on va vous présenter tout de suite après, on a fait des simulations à 2,5 %. Pourquoi on a pris 2,5 % pour vous faire des simulations? C'est qu'en décembre, quand on avait financé la moitié du projet, on avait eu des taux de 2,44 %. Puis en avril aussi, qu'on vient tout juste d'ouvrir, là, on avait des taux de 2,34 %. Puis on est très à l'aise avec le 2,5. Ça nous surprendrait beaucoup que ça diminue. Peut-être, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui. Peut-être ajouter pour l'ensemble des gens, c'est que quand on fait un projet, on part toujours avec un règlement d'emprunt qui veut pas et connoté d'imprévu. Fait qu'il est toujours plus gros, puis au fur et à mesure qu'on se raffine, nos prévisions s'améliorent, puis au-delà de ça, il faut comprendre qu'un projet, pour en connaître vraiment le coût, de un, il faut aller en appel d'offres et c'est l'entrepreneur qui va un peu dicter une partie du coût. Ensuite de ça, c'est si sur le terrain, on est capable d'améliorer le projet dans nos façons de faire. Souvent, Dani va le faire avec les entrepreneurs en proposant des façons différentes pour arriver à des meilleurs coûts. Bien, c'est ces genres de choses-là qui font améliorer l'ensemble et qui font en sorte qu'au final, on en arrive à un meilleur résultat que celui annoncé au départ. C'est beau, Marlène. Oui. Je vais vous repartager l'écran. Donc, ça, c'était pour le montant total de 4,6 millions qu'on va emprunter, puis une partie qu'on a déjà empruntée aussi. Maintenant, on voulait vous montrer l'impact concrètement sur le compte de taxes de la maison moyenne. Quand on avait fait des présentations, on avait présenté pour une maison de 150 000 $ puis on avait présenté, par exemple, pour le quartier Notre-Dame-du-Lac, 309 $ que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, on vous le présente sur la valeur de la maison moyenne. Donc, pour les comparatifs qu'on a mis en bleu, des choses qu'on vous avait montées en prévision avant, on s'est réajusté là, pour se remettre sur la maison moyenne de 161 407 $ Lorsqu'on avait fait des présentations dans le quartier Notre-Dame-du-Lac desservi, avec un coût de 12,9 millions de $ on avait calculé que pour la maison moyenne, ça représentait un montant de 311 $ Étant donné que les coûts du projet sont moindres, d'environ 11 % et que les taux d'intérêt sont beaucoup moins élevés que prévu, au lieu que ce soit 311 $ ça sera 229 $ pour les années 1 à 20. Pour les autres quartiers ou autres secteurs, par exemple, Cabanneau desservi, on avait prévu 46 $ mais la réalité tournera autour de 32 $ Et un peu la même chose dans les non-desservis, autant dans le quartier Cabanneau et Notre-Dame-du-Lac. Au lieu que ce soit 32 $ ça va être 22 $ toujours en respectant là, les clauses de taxation qu'il y avait dans le règlement d'emprunt. Ensuite, la seconde partie pour les années 21 à 40, rendu dans ces années-là, toutes les parties des bâtiments, les prêts vont être échus. Ça va être vraiment seulement les conduites qui vont rester à payer sur la partie qu'on avait empruntée pour 40 ans. Puis on se rappellera aussi que les normes démontraient que les conduites qui sont actuellement posées ont une durée de vie de 100 ans. On avait prévu que ça serait 108 $ pour Notre-Dame-du-Lac desservi. Ça sera plutôt 46 $ fait qu'il y a quand même une forte baisse. Pour Cabanneau desservi par l'aqueduc, au lieu d'être 16 $ ça sera 6 $ Et au lieu d'être 11 $ dans le non desservi par l'aqueduc, ça va être 4 $ ça représente quand même des beaux montants. Si on retourne dans les années 1 à 20, je m'avais marqué comme note de vous en parler, je trouve que c'est quand même une information intéressante. Pour passer du 311 à 229 $
Par rapport aux coûts qui sont moins élevés que prévu initialement, ça représente un 30 $. Puis pour ce qui est des intérêts, ça représente un 50 $. Si jamais les intérêts augmentent puis remontent à 4 % dans 5 ans, ça ne sera pas non plus les montants ne doubleront pas. Là. Pour la plus pire situation, on se retrouve dans le Notre-Dame-du-Lac non desservi. Admettons que dans 5 ans, parce que quand on emprunte sur 5 ans. Si dans 5 ans, on emprunte et qu'on tombe à 4 %, bien, ça serait 48 $ de plus que ça coûterait annuellement. Pour ça ici. Ensuite, la prochaine acétate qu'on veut vous présenter, c'est concernant les taux de taxes, parce que l'acétate précédente était pour la maison moyenne, mais ceux qui voudraient calculer leur coût par rapport à s'ils ont plusieurs logements ou qui ont des commerces avec des nombres d'unités différentes, on vous a mis ici les taux de taxes selon le règlement de taxation. On se rappellera qu'il y avait 25 % du règlement qui était payé par l'ensemble de Témiscouata sur le lac selon la valeur foncière. Dans ce qu'on avait prévu, on avait prévu que ça serait environ 2 sous qui seraient chargés par 100 $ d'évaluation à toutes les valeurs imposables. Mais finalement, les premières années de 1 à 20, ça va être 1,35 du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est des années 21 à 40, on avait prévu 0,7 sous. Et le réel, selon nos coûts finaux, va être plutôt de 0,3 sous. C'est certain que les sous peuvent varier très légèrement si jamais il y a des nouvelles constructions qui font que la valeur foncière augmente ou des hausses d'évaluation. Ensuite, une autre partie du règlement d'emprunt était 10 % était facturée à tous ceux qui sont desservis par l'aqueduc. On avait prévu que ce serait 14 $, c'est plutôt 10 $ par unité. Toutes les maisons payent le même montant. Et pour les années 21 à 40, on avait prévu 5 $, mais ça va être plutôt 2 $. Ensuite, la dernière partie était 65 % du règlement d'emprunt qui était payé par les contribuables du quartier Notre-Dame-du-Lac desservis par l'aqueduc. Au lieu du 265 $ chargé à chaque unité, ou maison, ou commerce, il y a différentes unités, c'était 265. Au lieu de 265, on tombe à 197 $. Et pour l'année 21 à 40, au lieu d'être 92 $ par unité, on tombe à 39 $. Merci. Je laisserai la parole à Chantal et Dani pour la prochaine acétate. Oui, Dani, je te laisse débuter. Oh, on a perdu Dani. Dani est-il là? Sinon, Chantal poursuit. Je ne sais pas si Dani est là. Ben écoutez, dans un premier temps, Dani voulait souligner un peu le travail, l'appréciation du travail qu'on a eu avec les professionnels, l'ouverture des professionnels et des entrepreneurs et des sous-traitants dans le projet d'eau potable. Ils ont tenu compte également de notre souci à différents niveaux dans ce projet-là. Et je pense que c'est un projet qui a bien évolué. Je veux également souligner le travail de l'équipe de la ville, que ce soit au niveau du traitement de l'eau, qui ont mis beaucoup de temps pour améliorer nos façons de faire et tout ça par la même occasion. Guillaume, Justine, Maryse, Philippe au niveau des travaux publics. Également, Dani, qui a suivi le projet d'un bout à l'autre en s'assurant que ce qui était construit était conforme à ce qu'on voulait et qu'on a pu améliorer au fur et à mesure. Marlène, au niveau des chiffres, on a énormément de soucis quand on fait un projet à la ville. On considère que c'est comme si c'était notre argent et qu'on se doit de la gérer avec le plus de rigueur possible. Fait que merci à toute l'équipe. Et le dernier merci qu'on a, c'est relativement à l'entente avec le ministère des Transports qui a fait en sorte qu'on a pu raccorder 7 résidences et 1 commerce sur la desserte. Et ça a fait en sorte qu'on a eu un investissement, une aide financière qui a couvert l'ensemble des frais pour à la hauteur de 390 000 payés totalement par le ministère du Transport. C'est ce qu'on appelle des belles collaborations. Et ça, on a fait ça en même temps qu'on faisait le projet d'eau potable. Et c'est grâce à Dani qui a travaillé dans ce sens-là avec le ministère pour en arriver à ce résultat-là. Fait qu'on est fiers de ce que ça a donné. Soyez convaincus
que l'équipe de la ville dans tout projet qu'on aura. On aura énormément de rigueur à ce niveau-là. Merci. Bon, ben merci Chantal. Merci Marlène pour la présentation très détaillée hein, qui implique même au niveau du compte de taxes pour les gens. Merci à Dany en chargé de projet. Puis je vous dirais l'information tout au long des mois. À tous les mois à peu près, on revenait sur l'ensemble du dossier. On avait une rigueur de donner la suite. On était rendu dans l'avancement. On se souvient un peu comme il a été mentionné dans la présentation des parties d'un règlement 13.9 ramené à mesure que l'analyse se faisait sur 12.9 et on termine à 12.3. 600 000 $ d'écart favorable, alors que dans beaucoup d'autres projets en province, on voit des écarts par le haut, en surplus, en dépassement de coûts. Ça fait qu'un grand bravo. Ça avait bien débuté aussi avec la soumission qu'on avait eue d'Action Project. C'est une entreprise qui a été extrêmement professionnelle dans le processus, pour ceux qui l'ont vu évoluer, avec même de l'avance dans les délais. Ça fait qu'on termine avec 600 000 d'écart favorable. Ça fait que quand on sait que c'est un dossier qui était très émotif. Hein, c'est une usine indépendante, c'est un raccord en eau, il pourrait arriver toutes sortes de problématiques. Ça fait que les positions étaient vraiment partagées sur le choix de la ville. Mais après coup, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même beaucoup de rigueur, très professionnel. Donc, félicitations, Dany, puis Marlène, l'ensemble de l'équipe, Chantal, puis tous les gens qui ont gravité autour de ce projet-là. Je trouve que c'est une belle réussite. En plus, ceux des 8 puits contaminés qui ont été défrayés à 100% par le MTQ. Puis en plus, là, comme on mentionnait, la qualité de l'eau impeccable. Ça fait que chapeau, c'est un beau projet qu'on souhaitait ce soir montrer le final de tout ça. Étant donné qu'il est 7h30, on va maintenant passer à la période de questions. Donc, pour ceux qui ont des questions, questions séance à commercial, Témiscouata sur le lac. .ca. Important de se nommer aussi à travers votre correspondance, avoir des questions qui sont courtes pour qu'on puisse prendre un maximum de questionnements. Puis comme je vous mentionne, on part pour 20 minutes de questionnement parce qu'à moins 10, il faut céder l'antenne. Fait que Chantal, est-ce qu'on a des questionnements? Oui, on a une première question de Mme Joanne Gingras. Mme Gingras nous dit, j'aimerais savoir si c'est normal que l'eau de Témiscouata sur le lac, quartier Notre-Dame, sentent et goûtent autant le chlore et si oui, est-ce que c'est temporaire ou permanent? Est-ce que Dany est toujours en onde? Il est là, il est de retour. Bon, vas-y Dany, je te laisse. En fin de compte, comme j'ai expliqué tantôt, effectivement, il aurait pu y avoir des odeurs, mais ça va se rétablir, c'est supposé être rétabli ou presque rétabli présentement. Et s'il y a quoi que ce soit au niveau de l'eau, vous pouvez aussi nous appeler service aux citoyens. Et je dirais qu'au fur et à mesure qu'on améliore, dans le fond, le traitement, on devrait voir une différence. Cependant, je pense qu'il faut souligner que, étant donné que c'est une eau filtrée, elle est moins chlorée que l'eau qu'on avait avant du lac, mais c'est possible que l'odeur du chlore soit ressentie un petit peu plus, même si elle est moins chlorée. Mais avec les prochains temps, un peu comme Dany disait, on va finir notre recette comme il faut et puis il y aura peut-être lieu de s'en reparler et voir le résultat escompté au final. OK, ça fait que merci pour les explications, Chantal et Dany. Est-ce qu'on avait une prochaine question? Oui, j'en ai un autre ici de Mme Ginette Bégin. Échange avec le ministère des Affaires municipales, Mme Laforêt. Mercredi dernier, elle a été mentionnée à la radio que M. Ouellet avait un entretien avec Mme Laforêt. Pourriez-vous nous informer sur le contenu de cet échange téléphonique? C'est la première question. Il y en a une deuxième, on peut commencer avec celle-là, M. Ouellet. Oups, le micro est pas mis. Excusez. Oui, OK. Donc, la question, c'est à l'effet qu'il y avait des discussions avec le ministère des Affaires municipales? Oui. Relis-moi donc la question, Chantal, si tu veux. C'est qu'il aurait été dit à la radio que M. Ouellet avait un entretien avec Mme Laforêt.
Ben, l'entretien, c'est parce qu'on a participé à une certaine conférence téléphonique. Puis, entre autres, on sait qu'on en lien avec les ministères des Affaires municipales, je ne sais pas si on fait référence avec, entre autres, le registre de signature, etc. Chantal, on a vu que c'est présentement aucune décision ne se prendrait avant le 26 juin pour qu'est-ce qui était des décisions d'ordre municipal. Ça fait que ça me permet aussi de dire que quand on parlait, que quand on allait revenir à la normale, on allait parler de registre de signature pour nos projets pour un règlement de 21,5 millions, Arena et Centre récréatif. Et c'est aussi vrai pour le remplacement du siège numéro 6 de Mme Élisabeth Cloutier qui est présentement vacant. Ça fait que je ne sais pas si ça répond à la question que la ministre Laforêt voulait repréciser ça qu'en lien avec la COVID, c'était évolutif pour la ville aussi. Donc, c'est pas mal dans ces eaux-là que la ministre a fait une intervention complétée par Maryse Malenfant pour nous à Rimouski pour le ministère des Affaires municipales. Et la deuxième question était? Au sujet fusion municipale, nous savons que la ville de Cabanneau détenait un montant d'environ 1 million dans ses coffres lors de la fusion. De plus, nous savons que 500 000 de ce montant a été affecté à la réduction de la taxe des citoyens de Cabanneau. La question concerne le montant de 500 000 additionnel. Pourriez-vous expliquer aux citoyens de Témiscouata comment la ville a géré ce montant additionnel permettant de disposer des montants accumulés par la ville de Cabanneau au montant de la fusion? Ça, je me permettrai de la répondre parce que j'ai déjà entendu la question. Il y a du temps à mettre là-dedans pour être capable de refaire l'historique de tous les montants. On n'a pas eu à ce moment-là vraiment le temps de le faire en tant que tel, étant donné, dans le fond, tout ce qu'on a sur la planche à dessin. Fait que je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Il s'agira peut-être de voir avec le conseil est-ce que c'est un mandat qui veut être donné, étant donné qu'il y a un certain temps à refaire l'historique de tous ces montants-là au niveau comptable. Et je sais qu'à l'époque aussi, Marlène n'était pas nécessairement là. Fait qu'en tout cas, il y aurait lieu, c'est du temps. Moi, je pourrais répondre en complément parce qu'on avait eu aussi en lien avec le redécoupage de nos districts, les 6 districts. C'est des choses que Mme Bégin revient continuellement avec ça, nous ramener sur le décret de 2010, vivre dans le passé. Moi, je trouve que c'est de la grosse perte de temps parce que si on s'embarquait dans ces eaux-là, on pourrait questionner le fait que l'hôtel de ville de Notre-Dame-du-Lac a été vendu. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent, on pourrait aller ressortir le passé. Moi, le message que j'ai pour Mme Bégin, c'est que ce genre de demande-là, elle n'a qu'à passer par l'accès à l'information. On verra si on lui donne suite. Ça ne finit pas ce genre de questions-là qui tournent sur le passé, qui sont que négligeables pour autant le quartier Cabanneau que le quartier Notre-Dame-du-Lac. Ça ne fait qu'entretenir de la bisbille entre les quartiers. Donc, Mme Bégin, arrêtez de vivre dans le passé, on est rendu dans le futur et que ce sera pour le découpage électoral ou que ce sera pour 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Autant avec la vente de l'hôtel de ville, je ne veux pas qu'on revienne dans le passé parce que je pense que les deux côtés en auraient long à dire. Ça fait que l'histoire du décret, si on a une chaise de libre dans le district 6, quand ça sera ouvert, si les gens veulent venir s'amuser là-dedans dans les chiffres, ils n'auront qu'à venir. Mais moi, je ne suis pas là de dire revenons sur le décret de 2010 puis toujours vivre dans le passé. Autre question de Alex April. Pour le projet Arena dans le secteur Cabanneau, on sait qu'il va y avoir peu de place pour accueillir une grande foule, moins de 500 personnes. Je sais que vous n'avez pas tous les plans, mais est-ce qu'on peut espérer que dans le futur, on pourrait travailler vers un projet d'agrandissement pour que l'on puisse accueillir le plus de gens possible lors d'un événement? Ben, moi, là-dessus, c'est qu'on pourrait répondre. On a fait le choix comme ville d'avoir un projet sur 2 adresses. On a dit pourquoi est-ce qu'on souhaitait positionner l'aréna au niveau de la polyvalente. C'était parce qu'on voulait un aréna qui était plus scolaire pour qu'on puisse diminuer les frais d'opération annuellement. Quand on a fait les plans, qu'est-ce qui était possible de se payer? Puis il faut se souvenir qu'on est même en train, sur le 21,5, de passer de 9 millions à 11 dans les plans pour avoir un aréna qui a de l'allure. Ça inclut
208 sièges, 432 places pour les gens qui seront, qui assisteront aux événements. On a fait l'inventaire des activités, puis ça répondait aux besoins. Ça fait que pour l'instant, pour les prochaines années, la capacité, en regard de la capacité de payer des gens de Témiscouata-sur-le-Lac, c'est un projet qu'on trouvait qui était correct pour Témiscouata-sur-le-Lac, projet Arena, quartier Cabanneau. Et on souhaite en proposer un tout aussi correct pour le quartier Notre-Dame-du-Lac. Il faut se dire qu'avec l'abolition des commissions scolaires, qu'adviendra-t-il, exemple, dans le futur du terrain de baseball, de la piste d'athlétisme? Donc, c'est toutes des discussions que pour répondre à M. April, les prochains administrateurs qui seront à la ville, si ce n'est pas nous, auront cette possibilité-là de peut-être revendiquer des terrains au niveau du gouvernement et que s'il y a des besoins complémentaires pour répondre à sa question, ça sera analysé dans le futur. Mais il faut se dire que quand on propose 21,5 millions de projets sur deux adresses pour développer les deux quartiers, moi, je pense que les gens vont être capables de comprendre. Puis si on va au centre Prométhée ou ailleurs, souvent les chaises sont assez libres quand on parle de scolaire et ce n'est que quelques événements qui méritent d'avoir un certain nombre de sièges supplémentaires, là. Fait qu'on souhaitait, puis je reviens là-dessus, dire qu'on souhaitait 8 chambres. Ça avait été clairement établi que c'était le souhait premier. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a eu à faire des choix douloureux. Puis ça a passé par quelques sièges de moins dans l'aréna. Mais il y a de la place autour de l'aréna, comme je vous mentionne, la piste d'athlétisme, etc. C'est peut-être dans le futur que ça pourrait être discuté. Une autre question? Oui, trois questions à l'intérieur d'un courriel de Mme Bégin. Est-ce que les citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac peuvent obtenir le montant de taxes associé à ce dossier pour les 5 prochaines années? Si oui, comment doivent-ils procéder? Associé à quel dossier? On est dans l'eau potable, je m'excuse. Ben, moi, je pense que ces questions-là de chiffres, quand nous, comme conseil, on parle d'orientation, etc., c'est des questions qui devaient être adressées le jour à la ville. Donc, Chantal, ma recommandation dans ce sens-là, c'est que accueille la demande de Mme Bégin. S'il y a une capacité de lui répondre, on lui répond. Ça fait que c'est plus dans ce sens-là là, que, tant qu'à moi, il y a une capacité d'y répondre. OK. Marlène, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou… Parce que là, les montants de taxes, c'est sûr que associé au projet, déjà dans la présentation de Marlène, on en avait sur… il y avait déjà un tableau, là. Mais à ce moment-là, on reparlera avec Mme Bégin sur ce point-là. Je passe au deuxième point. Les 8 puits contaminés ont été inclus dans les coûts de ce projet. Est-ce que le montant reçu du ministère est versé en un seul versement? On a fait notre réclamation, mais on ne sait pas encore, mais normalement, oui, ils versent dans un seul, je réponds en même temps, là, dans un seul versement. Les coûts sont à part du projet de mise aux normes de l'eau potable, c'est complètement un dossier à part. Si oui, quand la ville reçoit ce versement, ce montant est financé par la ville. Comment le montant a été intégré dans le remboursement du prêt? On va parler avec Mme Bégin directement, ça va être plus simple parce que les questions sont assez pointues. Chemin du Lac, ont-ils été, est-ce qu'ils ont reçu un avis? Non, on voulait l'annoncer en séance et il y a des lettres qui vont partir dans les prochaines semaines pour aviser de la conformité des THM et de la possibilité que, de voir l'eau pour le futur dans le Chemin du Lac. Autre point de question, et là je vois il reste seulement 6 minutes. Parce qu'on doit quitter l'antenne pour donner l'antenne à la ville de Rivière-du-Loup. Pourriez-vous expliquer le montant accordé pour travailler sur un plan de commandite qui a été autorisé? Pouvez-vous redire la question? Pouvez-vous expliquer le montant accordé pour travailler sur ce plan de commandite? C'est le plan de commandite CCR et Arena. Bien, tout à fait. Le montant qu'on a parlé à soir, 8870 de mémoire qu'on a mentionné avec la firme, oui. On avait dit, pour ceux qui s'en souviennent, quand on a fait une présentation, qu'on invite les gens à aller revoir la présentation du 10 mars, qu'est-ce qui est une présentation qui est très complète. Même tantôt en plénier, on discutait que
avant la Saint-Jean-Baptiste, on sera normalement, c'est sûr que COVID oblige avec les spécialistes, ça rend ça difficile de, au niveau d'un 3D, etc., mais on y travaille fort. On souhaite pouvoir le présenter d'ici la Saint-Jean-Baptiste, le projet final. Mais je vous dirais que la rencontre du 10 mars, pour ceux-là qui veulent s'intéresser au projet, elle est complète, elle parle de la taxation aussi. Puis de mémoire, Marlène, on parlait d'aller chercher 500 000 $ si je ne m'abuse, en commandite, alors qu'on va développer un plan de commandite qui est beaucoup plus audacieux que ça, plus agressif, puis va nous permettre après ça d'aller sensibiliser certaines entreprises. Puis la firme en question est capable de nous analyser aussi c'est quoi la valeur marchande en fonction de notre attrait, entre autres l'autoroute 85, etc. Comment peut se monnayer certains éléments de nos deux adresses de projet. Donc la firme, forte de son expérience, vient nous accompagner par rapport à ça. Puis, c'est pour ça qu'on a adopté ce soir la somme de 8 870 $ pour, après ça, aller voir les entreprises. Fait qu'est-ce que ça fait pas mal le tour, Chantal, de nos questions? Oui, bien, il nous reste encore 4 minutes. Je peux peut-être en prendre encore une. OK. Question de Mme Ginette Bégin. Terrain de baseball, où en est le projet et est-ce que la Ville envisage une reconsidération du projet de baseball suite à la situation du COVID-19? Bien, présentement, les dossiers, puis ça aussi, ça fait partie des discussions avec le ministère des Affaires municipales, que vous savez, on attend deux décisions, entre autres FIMO, qui est un programme en lien avec l'eau potable sur les rues commerciales. C'est un dossier qui est en analyse présentement. Puis, dans les sports et loisirs, on appelait le programme le PAFIR, où c'est qu'on souhaitait recevoir des sommes du gouvernement sur un projet qui était d'au-delà de 1,5 million. La commission scolaire mettait 60 000, la Ville s'est engagée aussi. C'est des projets, je vous dirais, je ne veux pas dire pour l'instant, sont en suspens, mais c'est difficile avec la COVID d'avoir de l'information complémentaire par rapport au projet. Donc, pour répondre à la question, quand le gouvernement viendra nous dire quels sont les montants qu'on est possiblement prêt à faire, puis que nous, il faudra réévaluer la situation, quels sont les besoins, là, on aura à réanalyser, ça c'est clair. Bien, y a pas de, on n'a pas eu de documentation, à moins que Chantal, tu me dises que tu as eu de l'information complémentaire. Non, pour le moment, il n'y a rien de nouveau dans ce dossier-là. La demande suit son cours. Puis je pense que même au niveau des projets, on n'aura pas de nouvelles avant l'automne, selon la ministre La Forêt, si je ne me trompe pas. Là. Puis Isabelle, l'autre ministre, que je ne me souviens plus du nom. Mais grosso modo, on n'aura pas de nouvelles avant l'automne, d'après moi. Donc, vous ne verrez pas de pépines sur le terrain de baseball. Il n'y aura rien qui va se faire tant qu'à moi avant l'automne, puis tard à part ça. Ça fait que les décisions sont toutes décalées par rapport à ces projets-là. Une autre question, il nous reste 2 minutes. Si on y va rapidement, on dit où on en est avec le projet rue de l'Église. Ça, je pense que je vais lui répondre directement. Au niveau du projet, on est à mandater un ingénieur pour faire le meilleur tracé pour le centre-ville. Un coup qu'on va avoir un ébauche, probablement qu'il y aura des consultations aussi. Mario Bourassa travaille sur le dossier également. On est encore en élaboration et il faut dire que les aides financières disponibles, à un moment donné, on n'en avait plus, mais là, je pense, je vais vérifier, là, mais qui ont été renouvelées. Ce qui fait en sorte qu'on va avancer dans ce projet-là et qu'il y aura, à un moment donné, des propositions faites au conseil et qui pourra également faire partie d'une consultation pour les modifications. On se rappellera pour la rue de l'Église et dans le fond, au coin de la commerciale sud, c'est un des artères les plus dangereux qui a été priorisé par le gouvernement pour nécessitant des améliorations majeures. Ceci étant, il nous reste 1 minute 52. Monsieur Ouellet, je vous laisse le mot de la fin. Ben écoutez, merci bien. On a quand même passé un certain nombre de résolutions. Ce soir, on est venu confirmer qu'on était 600 000 d'écart favorables sur l'eau potable. Ça fait que c'est une excellente nouvelle pour les citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac. On va vous informer au fur et à mesure, comme on mentionnait, en lien avec la COVID, parce qu'on a souvent des questions concernant les bateaux, la pêche, les marinas, quand le jour, etc. Aussitôt qu'on a de l'information, on va vous le mentionner. Puis au niveau de la COVID, hein, on indique aux gens, puis là j'ai un certain masque
pour ceux là, qui vont aller dans les lieux qui ne seront pas capables de rencontrer le 2 mètres, s'il vous plaît, parce qu'avec le déconfinement, la réouverture des commerces, la réouverture, entre autres, au niveau du à Dégely comme à la Pocatière, on vous invite vraiment à être prudent par rapport à la COVID parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cas et on n'en souhaite pas, mais on sait fort probablement qu'il va en arriver chez nous aussi. Donc, on vous invite à beaucoup de prudence. Fait qu'on sera en rediffusion pour la séance du conseil. Fait que merci à l'ensemble de l'équipe. Merci à MaTV aussi qui structure tout ça pour nous permettre d'être en direct avec la prise de questions aussi. Donc, nous aussi, comme conseil de ville, on fait notre part en lien avec la COVID pour être de façon sécuritaire. Fait que sur ce, je souhaite une bonne soirée à tout le monde.